Bonsoir. Bonsoir. Et que comme qu'on parlait cet après-midi, on décide de faire un petit spécial de faire des jeux en coop. Est-ce que tu et moi pour le temps des fêtes? Alors Ouais. jusqu'au premier inclus, je crois. Fait que on va continuer la série de We Were Here. Là, on est rendu à We Were Here Together. Juste la musique top-notch. Ouais, vraiment bonne. On n'a pas l'air de pouvoir choisir dans celui-là comment c'est dans le ou pas. On n'a pas l'air de pouvoir choisir Quel rôle qu'on a? quel rôle qu'on a, ouais. Attends, est-ce qu'on m'entend pour commencer? Ouais, ok. C'était juste parce que mon volume du stream était plus bas parce que je suis sûr de pas trop t'entendre. Pas qu'on va jouer, mais ouais, ok. Allez. Je sais pas si les sons sont corrects, je sais pas si mon logo est correct, on va tout voir ça une fois que le jeu va être commencé. Je suis censé faire quelque chose ou. Je suis en train de J'ai regarder. le loading checkpoint. C'est juste qu'on attend. J'ai hâte de voir. Il va avoir l'air de quoi lui. Ouais. Back screen. T'es rendu avec un écran noir? J'ai un écran noir avec trois petits points en bas à droite. Ok. Ah, parce que moi je suis pas encore loadé pour vrai. Parce que moi je suis encore dans le menu. Ah, ok. C'est une bonne raison. Je sais que ça prenait pas tout ce temps-là à loader la partie au début Nézo. C'est qui est un peu Il est décevant. peut-être plus gros ce jeu-là comparé à l'autre. Peut-être. Ah. Ok. Ça commence bien. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu dors avec tes bottes, mais en plein hiver. Ah, je peux-tu changer ça? J'ai pas pensé à regarder ça. J'ai pensé à aller enlever Motion Blur. Bonjour. Je n'ai pas l'air de pouvoir mettre ça. Sujet de sim. Je suis obligé de me mettre avec lui apparemment parce que ça peut me mettre le bouton de la souris. Bonjour. Bonjour. J'essaie de changer le bouton de la radio. Ah. Hello! Je n'ai pas passé sur le bon piton. Hello! Bonjour. On peut pointer avec X. Mais
j'essaie de le bindre, puis tu veux pas me le mettre. Ok, ce serait avec ça. Allô? Yay! Bonjour. J'ai enfin réussi à changer le bouton de push drop. Je sais pas si les chiffres qui sont dans la si on est censé s'en souvenir. J'ai pas de papier à côté de moi. Ben, proche de moi pour écrire quoi que ce soit dessus. 47. C'est tes coordonnées, là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé d'allumer le sapin de Noël. Je vais voir ça en note, puis on verra. T'essaies de faire les choses sans que je sois là. Ça a pas réussi à l'allumer? Ça l'a allumé une couple de secondes, puis après ça, ça l'a éteint. Ça, on l'aura même pas vu. J'ai trouvé une valve aussi en même temps. Ouais, y'en a une juste là. Ah, on peut les ramasser? Est-ce que je suis rendu avec deux valves? Ici, j'ai un carré, puis la valve va rentrer dedans. On pouvait faire quelque chose avec la radio aussi, je pense. Il a changé le signal radio. Je peux pas trouver mon channel favori maintenant. C'est pas trop pire, je suis rendu avec 4 valves. Tu peux-tu me laisser regarder aussi en même temps? Pas tout faire tout seul, moi je suis en train de regarder les affaires un peu tranquillement puis lire les trucs. Je regarde, mais après ça, en même temps, je check voir si je peux prendre des affaires ou pas, puis apparemment les valves, je peux les prendre. Fait que je m'excuse. Laissez rien de valeur à l'extérieur. Je suis tannée de devoir les dégeler il y a toutes les fois que je les utilise. Yes. S'il vous plaît, prenez note des notes collantes. N'oubliez pas d'éteindre le four quand vous avez terminé. Merci. D'après moi, les valves, c'est peut-être pour ouvrir les portes, là. Ouais, ben, je n'ai une carrée ici. Si je shift entre les valves que j'ai, que je peux me placer puis mettre dedans. Ah, ils ont des. Ah, ok, ouais, ils ont des signes différents, hein, le carré. Ouais, elle que j'ai, c'est un triangle qu'il y a dessus. Moi, j'ai un diamant puis comme un plus. Tu pouvais changer de valve? Avec ma roulette de souris. Ok, peut-être pas. Parce que j'en ai pas d'autres, ça me permet pas. Je vais aller regarder la radio, c'est quoi qu'on peut faire avec. Fait qu'on peut toucher ces enfants. Fait qu'il veut des coordonnées. Non, il donne ses coordonnées. Il nous faut probablement qu'on essaie de mettre le truc sur ses coordonnées, mais. Pour l'instant, même si on touche ses pitons, ça change rien. Fait que c'est pas tout de suite, ça. Ouais, je passerai pas. Fait qu'une de tes valves, c'est pas ce signe-là ici. Non.
fait qu'on va continuer, j'imagine, dans la porte ici. Puis... Oh. Get in. Je vais aller dans le camion. On va aller voir à l'extérieur, j'imagine. Ok. La porte seemed to be locked from the other side. Ça, c'est une qui aurait besoin d'une valve. En tout cas, je pense. Je l'ai pas, celle-là. Quoi? Ouais. C'est une valve, l'image qu'il y a à terre? Je sais pas, t'es rendu où? Ah, oh, ok, t'es là. C'est vrai, hein, on dirait. Fait qu'il y en aurait une sur le poteau, genre, ou. Ah, il y en a une qui est juste sur le mur, là, on dirait. Faut trouver une façon de grimper là, genre. On dirait, ouais. Fait qu'il faut regarder les shadows aussi. Apparemment, ils peuvent nous donner des indices, ouais. Ah, il y a le plus ici en haut. J'arrive. D'après moi, il va falloir mettre les coordonnées avec en bas puis en haut, avec le truc en haut. C'est où, là? Je suis redescendue parce que là, j'ai ramassé une balle. Je voulais le voir si c'était un carré qui était là. Ouais, mais t'es-tu sur le toit ou t'es en bas? Je suis en bas. Je suis dans la maison, là, clairement. Alright. J'ai trouvé une place pour mon diamant, c'est une porte dehors qui, on dirait, va rentrer à l'intérieur. Okay. On va refaire le tour puis je m'en viens. Ah, yo. C'était vers là? La porte pour le diamant, c'était en bas, puis moi, sinon, j'étais sur le toit tantôt, ouais. Mais sur le toit, t'en as une que tu peux utiliser aussi, là. Tu disais que t'en avais un avec un plus 5. Ouais, mais je voulais pas le faire sans toi. D'après moi, peut-être qu'il faut comme gosser en bas aussi avec ça, genre. Pour que ce soit les bons waves. Ouais, c'est ça. Fait que la porte était où, tu disais? En bas. Mais encore, ok, là. Check. Oh, fait qu'il va falloir le faire enlever la glace. Super rassurant. Très. Oh, il y a une porte là. Je suis pas encore loadé, moi. Okay. Non, non, c'est juste avant la porte que je viens d'ouvrir. Il y avait la porte que je disais qui était openable from the other side. C'est comme le raccourci pour se rendre jusque dans la maison.
Ah, ok. Ça va être la place pour réchauffer, je pense, la valve, ça ici. Mais il y a comme plein de switch. Je vois ça. N4 M4 A2 V8 V8 puis N4 encore. Fait que peut-être les N4 en même temps? Là, c'est ça, moi. Je suis prête à baisser sur le mien. Il y a les V8 aussi qui sont deux fois. Ils sont même pas. Tu peux pas cliquer dessus. Ouais, je sais pas. Hein. Maybe not yet. A2 qu'il faut peser dessus. C'est timé. A2. Je le trouve pas. C'est juste en arrière de moi, apparemment. Ça va être V8 après. V1 des V8. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'essaie de tirer dessus, puis ça marche pas. Faut que tu maintiens pesé dessus. Ok, je l'ai fait une fois. C'est peut-être pas bon parce que ça a pas marché. Ça vit. Ok, attends, fais-les. Je suis en train de peser dessus le A2 présentement. T'es en arrière de toi? Ça me dit V8 encore. Ça me dit V8 encore. Ça dit V8 encore. M4. Faut que tu restes avec le V8. M4. Ça doit être un des autres M4 parce que ça marche pas. Pas qu'il y en avait deux M4 pourtant. Mais... Ça, c'est N4. Attends une seconde. Désolé. Pourtant, c'est le B8 qui est là. Pourtant, c'est le B8 qui est bleu. C'est bizarre. Peut-être qu'il faut peser sur le B8. Non, le B8 il est bleu ici aussi. Ah, t'es soit pas ça. Ah, il est ici, le M4. Mais la couleur, elle change pas. À moins que ce serait lui qui est à côté, mais pourtant, ça avait pas changé non plus. La couleur a changé. Ça a marché? Ouais, non. Je sais plus comment est-ce qu'on avait de lumière. C'est quoi l'autre après? B8. Next. N4. C'est pas celui-là. B8. Next. Il est déjà monté. C'est où que j'ai vu l'autre B8? Ça, c'est B8.
B8. Je pense pas qu'on va avoir le temps, il nous reste juste 45 secondes. Next. Déjà monté. V8. N4. Next. De l'avoir eu sa peau des fesses, sérieux. 16 secondes. Oh. C'est pas cute. C'était-tu juste une affaire de Noël qu'on vient de casser de moi? Oui, je pense. Wow. Je suis comme coincé. Comment on le contrôle parce qu'il est droit. Fait que je sais pas si c'était comme juste mettre l'électricité en général qu'on a fait ou juste une affaire de Noël. Bonne question. Check la porte, c'est ça que j'ai ouvert tantôt. Ah, ok. Il y avait une porte vers là-bas aussi. Je sais pas si t'avais assez de loin. Ça m'aide pas vraiment par là-bas, mais ok. Par où est-ce qu'on se dirigeait? Ah, ok, faut y aller avec la voiture. Je peux pas comme la déposer n'importe où pour se réchauffer. Ah, ici. Mais j'ai trouvé où le réchauffer, puis j'ai ouvert une porte dans la maison, mais je suis pas rentrée à l'intérieur encore. Genre de dans le feu de la cuisine que tu l'as réchauffé? Ouais. Oh, le sapin reste ouvert maintenant. Yo. Et je l'ai réchauffé là. C'est la porte que j'ai ouverte que je suis pas allée dedans, quoi. Alright. Ça va avoir du gossage à faire avec les manivelles ici. Forte chance. C'est ce qu'on devrait pas gosser avec ça pour l'instant. Mais voyons. From a rose, Captain Arthur Ice, Even Blind. Fait que je sais pas les coordonnées que tu nous as données, faudrait regarder avec ça justement. Echo, fait que ça devrait être. Là où est-ce qu'est la map? Ouais. Ça vient de pas te dire. Ah, oh, ok. Ben, c'était pas un autre truc qu'il fallait en fait avoir pour les waves? Ouais, c'est vrai qu'il faudrait le mettre au clair, je pense, avec les waves. C'est vraiment qu'une faut que ce soit en haut et l'autre en bas. Oh, ouais, c'est ça, comme l'autre en haut va dire probablement comme ah, t'es proche de la wave, whatever, que ça demande. Fait que tu veux faire lequel? Je vais aller en haut. Ok. Tu sais comment aller en haut? Ouais. Road. Somebody.
Alright, I'm okay, here. C'est l'école plus, c'est ça l'école plus. Ok, fait que dis-moi la première, ce serait quoi? Genre le chiffre? Non, dis-moi genre à quel point qu'on est au loin de. Faut-il qu'il soit bien rapproché, bien éloigné, bien accrépouti, bien allongé. Il y a juste deux boss dedans celle-là. Je me rapproche-tu? Un peu, monte-les un peu. T'es quasiment dessus. Awesome. Là. C'est de la musique apparemment. Ok, l'autre c'est quoi? C'est les plus petites waves que tu vas avoir. Il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a genre une quinzaine. Puis très plus petit. D'autres musiques. À peu près ce qu'on vient. Non, maintenant comme qu'on est, mais le plus grand, quasiment. Wow, tu m'en donnes ben trop les coordonnées, hein? On se calme. Est-ce que je m'en viens? Si tu veux écouter le message comme il faut, ouais, quand. Je l'ai entendu comme il faut quand même. Je pense que je sais plus écrire comme il faut. Ça, j'ai inversé les choses. Right one pour. Pour 4-1, 8-8. Fait que ce serait probablement avec ça que t'as gossé, ou en tout cas regardé. Ouais. Est-ce que t'avais écrit les. Ouais, ça fait que c'est C753 et B754. Décide-toi d'un côté que tu veux, là. Ouais, là, peu importe. C'est là? Ouais, ce serait cette affaire-là. L'autre, c'est D195E169. Moi, Ok, on va pas vraiment. J'ai de la misère à le voir. Ok. Alright, là, ça l'a pris en note. Mais c'est pas le E169, ça. Le 169 est juste ici.
le S69, il serait juste ici. Fait que ce serait censé d'être le Sand Singer, ce genre. Mais là, vu qu'il y en a un de eux qu'on a eu qui était pas correct, ça marche pas. Fait qu'il faut recommencer le premier. Okay. Fait que là, après ça, il faut prendre l'espèce de tour. Après, c'est B481 puis C447. Fait que ce serait le Kiss from a Rose, l'espèce de fuck. À tes souhaits. Faut-tu le maintiens dans le truc? J'ai essayé. Structure ancienne. Où est-ce qu'on a attrapé ce poisson-là, une de ces... Une place avec des gros monstres qui font peur. Une cave qui est confortable. Vraiment plein de petits trucs de même. C'est probablement pour avec la voiture, ce qu'il fallait qu'on... C'est où est-ce qu'il fallait qu'on aille. Forte chance. On va essayer dans la map avec la map, puis je... Dans la pièce avec la map, puis je vais aller aux toilettes. Alright. J'en profitais pour me moucher. Et of course, c'est à ce moment-là que je me rends compte que... Ah, okay, non, finalement, il me reste des Kleenex. Apparemment, la boîte essaye de me bamboozle. Je suis de retour. Apparemment, je suis une piste minute aujourd'hui, fait que désolé. Je suis de retour. Welcome back.
Désolé, je prenais une pastille. Fait que t'es où, toi? Ok, je t'ai trouvé. Je sais pas si c'est comme l'essence pour le camion, genre. Probablement. Faut qu'on se rende jusqu'à la ligne verte, puis il y a des chiffres négatifs dessus. Ah, ben ouais. C'est déjà... Ouais. Je comprends pas vraiment. Genre, on peut pas le brancher nulle part. Il nous manque peut-être quelque chose. Ah, peut-être avec la... On n'a pas fait la valve qui était... qu'on a fait réchauffer, je pense. Je me souviens pas où est-ce qu'on avait mis ça. Peut-être à l'extérieur, ici. Il y en a eu une porte plus loin, ouais, c'est la seule qui restait, je pense. Ok, fait qu'il y en a une qu'il va falloir qu'il gosse ici, pis que l'autre, elle dit c'est quoi qu'il faut qu'elle mette, genre? C'est... je vote pour que je sois celle qui dit pas à l'autre quoi faire. Ouais? Ouais. Elle avait 5. C'est quoi les chiffres que t'as, toi? J'ai un 8, un 7, puis un 5 d'un côté, puis l'autre, j'ai un 8, un 4, puis un 7. Fait qu'on pourrait montrer à 4, le monter à 14, puis on va vite. Ok, fait 7 sur 1. Que moi ça va-tu marcher? 7 sur l'autre? Ça va. Short and sweet? Yep. J'ai oublié de regarder aussi. J'entends les deux en même temps, je peux pas vraiment donner d'opinion. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment des choses dans le HUD, effectivement. À part voir si j'ai quelque chose dans la main que vous le voyez aussi, là. Je pense pas que mon logo cache quelque chose. Sauf là, mettons, il cache les trois petits points de loading. Et vous...
vous voyez pas. Et ben, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas juste un écran noir, ça nous montre qu'est-ce qu'on est en train de loader. Hein. Vous le voyez juste pas. On va rester coincé nous aussi. Coincé. J'espère que non. Fait qu'on a-tu l'équipe qui s'en va essayer de sauver, en fond, les autres qui étaient dans le 1 puis dans le 2? Bonne théorie. J'essaie d'ouvrir quelque chose puis ça marche pas. Ah, ça serait-tu juste par là? On n'a pas de contrôle gauche. On a un logbook. Tu fais escape? Ça serait L. Des rêves étranges semblent hanter notre expédition, notre groupe d'expédition dernièrement. D'après ça, ça dit, on a reçu un signal de détresse. Peu importe qui est là a besoin de notre aide. Et alors, après ça, le dernier, c'est un skidoo abandonné. Il semble que peu importe qui a envoyé le signal serait à pied. C'est quelque chose. J'aurais quelque chose maintenant aussi. Vous voyez bien. Juste le son que j'ai peur que ça soit peut-être trop fort. Comment tester ça? Je mets le jeu à off, je pourrais pas écouter le stream. Si je mets le jeu à off, je pourrais pas écouter le stream. Si je mets le jeu à off, je pourrais pas écouter le stream. Si je mets le... C'est comme vous entendiez une loupe de moi qui parlait apparemment. Parce que je le testais. Moi, c'est pas trop beau. J'ai baissé d'une petite coche, puis ça va être correct. Non, désolé, je regardais pas le son. C'est correct? Ça a l'air un petit peu gros. C'est pas d'une place où mettre une mine? Ouais, c'est ça. J'imagine s'ils essayaient de découvrir une ancienne structure qui était là, peut-être, mais... Quand ça sera mort gelé de même, c'est peut-être une bonne idée de pas y toucher. Ah, ouais, c'est ça. En train de descendre ou t'es en haut encore? Je t'en bats. Oh, t'as aidé rapidement. Il y a un sprint? Je sais, mais quand même. J'ai l'impression que t'étais en arrière de moi, puis là t'étais en mode contenu. Gotta go fast. Et si ça a l'air d'être une espèce d'ascenseur qui a comme un signe de diamant, une plaque avec un signe de diamant, je vais pas oser rentrer dedans ou quoi que ça montre.
Il y a celle au milieu là-bas aussi, qu'il y a des portes justement de même, mais ils sont fermés, puis il y a des diamants aussi dessus. Je pense parce que celle-là, il faut qu'elle ferme. Il faut qu'elle descende, parce qu'il y a rien. Ouais, probablement. On peut faire quelque chose avec les cordes ici, mais je pense que la seule affaire qu'on a disponible... Ouais, fait que la seule affaire qu'on a disponible probablement, c'est l'ascenseur qui est déjà ouvert. Y avait-tu quelque chose après? Dans ce coin-là, non, y a rien. Alright. Mais je sais pas si on va pouvoir y aller les deux, ou si c'est juste une fois, là. Ok, on va aller les deux. Awesome. Ça a descendu l'autre. Okay, c'est ce que je pensais que ça ferait peut-être. Fait que ça, il y a un cart qui bloque le chemin, puis il a l'air d'avoir encore comme des portes qui est fermées comme qu'il y avait l'ascenseur avant qu'il descende. Ok. Il y a un ascenseur genre au bout là, mais comme descendu. C'est un signe de dynamite sur elle. Je vais descendre dans l'ascenseur puis tu regarderas voir s'il y a une affaire que tu peux toucher pour le monter, toi, de ton bas. Je vais voir si je monte, si toi tu descends. Monte si moi je descends. L'ascenseur qui a une dynamite dessus, je voulais voir s'il bougeait durant le temps que toi tu utilisais celle-là. Ah, ok. Il avait-tu bougé? Nope. Je sais pas si moi faudrait que... C'est toi quoi? S'il y en a une qu'il faudrait qu'il reste d'un côté puis l'autre de l'autre bord. Sauf que là, je suis coincé ici. Ouais, je pense que ce serait ça. Tu décides que c'est toi qui vas sur ce bord-là? Apparemment. D'après moi, tu vas pouvoir aller, toi, du bord que moi, je pouvais pas aller voir. Probablement. Tu peux remonter, donc? Est-ce que t'es en haut? Je suis en haut, moi. Ok. Ok, je te... Attends deux secondes. X. J'ai un ascenseur avec la dynamite dessus. Probablement que tu l'utilises. En as-tu plus que un? C'est quoi t'as dit? Si t'en as plus que un. Non, ben, attends un petit peu, je peux descendre, là, voir, mais me semble... J'ai un ascenseur avec un minecart ici. J'en ai un, moi aussi. L'ascenseur avec le minecart, on dirait qu'il y a comme deux places que je pourrais monter dedans. Ok. Là, c'est lui avec la dynamite qu'on dirait que je peux monter encore une coche de plus. C'est pas ça que je te demandais si t'en avais plus qu'un. Je suis en train de regarder. Ah, oh, j'ai trouvé une toilette pour commencer.
11. Non, ma dynamite, moi, elle va nulle part. C'est vraiment mon minecart qui bouge. La dynamite, tu peux pas monter plus haut avec? C'est un dead end. Je peux peut-être te faire monter avec, par exemple. Ouais, mais c'est bon. Et ça descend. Ok. Dis-moi quand tu vas être correct. Je suis correct. Hein? J'en ai un avec un pic qui est en train de creuser genre un or. Ok, attends deux petites secondes. Il y avait un chemin, fait que j'étais curieuse de voir mes 5 pour me ramasser au ascenseur diamant. Ah, ok. Fait que le pickaxe, moi aussi j'en ai un, mais il est empty, j'ai pas d'ascenseur dedans. On n'a pas en tout? Ben, il est en haut. Y'a-tu l'air de baisser? Nope. Fait qu'il manque quelque chose. Oh, oh, attends. J'ai monté encore plus avec le mining cart. Puis là, je suis à une place où... je pense que je suis en haut de trucs de mining de pickaxe. Ok. Mais je peux rien faire. Ah, attends, il bouge. Ah, remonte-les, je peux passer de bord jusqu'à l'autre. Remonter? Ouais, attends, tu peux. Je pourrais-tu remonter, s'il vous plaît? Je t'ai remonté. Ok, me descendre de bord. Apparemment, lui était inversé. C'est vrai qu'ils vont dans le sens contraire, maintenant que j'y pense. Fait que là, je serais... Ça m'a avancé à un autre ascenseur, puis c'est quelque chose avec des dents qui mange un diamant. Ouais, j'en ai un de mon bord aussi. Mais moi, j'ai pas l'ascenseur d'eau. Il est en haut de moi. Tu peux-tu le descendre? Non, il est en haut de moi. Parce que je peux monter sur le top, la porte est ouverte, mais je peux rien faire d'autre. La seule façon que je pourrais me rendre à cet ascenseur-là, c'est si je descendrais avec lui de dynamite. Là, je remonterais avec lui de, je pense, mining cart. Est-ce que tu peux le faire? Non, parce que je suis bloqué et lui de dynamite, il est fermé. Remonte le mining axe. Ok, t'as un petit peu. C'est la dynamite que tu peux pas utiliser? Ouais. Ok, tu peux le repasser.
Et Kex, tu ne devais pas rien faire, toi? Pas cet étage-là, t'as un peu. Ça veut dire qu'il faudrait que je touche à lui depuis Kex avant, en fait. Parce que je peux plus avancer. Fait que je retourne dedans dynamite puis je me descends. Je me monte. Attends, faut que je retourne à lui dynamite avant, là. Ok, ouais. Non, dans l'autre sens. Ok. Je me suis trompé d'étage. Ouais, 2 secondes. Ah, faut que tu restes à l'eau dynamite de toute façon, là. Ouais, mais c'est parce que j'ai genre 2 portes. À l'eau dynamite? Ouais. Pourquoi tu l'as rebougé? Pour que j'aille au mancart? Non, je voudrais que tu restes à l'eau dynamite. Ok, attends, tu peux. Ok, je pense que de même, je ferais peut-être refaire tout le tour puis aller me rendre jusqu'à l'autre. Peut-être pas. À l'autre quoi? Parce que là, je suis coincée sur là où est-ce que le réel, où est-ce que Avec la dynamite à cette place-là, moi, je suis coincée à me rendre juste à l'ascenseur du début qui est le diamant. Tu peux pas toucher à aucun de diamants, présentement? Ok, ben si t'as fini avec, je peux redescendre, ouais. J'ai pas fini avec le dynamite, c'est ça. Je t'arrête pas de te demander qu'il faudrait que je continue avec le dynamite. Ok, ben tu veux que j'aille de quel bord, en haut ou en bas? Je pense que ce serait vers en bas parce que moi, il est en bas de moi, fait pour qu'il monte. Encore un long coup. Ok, va dans l'autre sens un coup. Est-ce qu'il faut que j'aille baisser l'autre truc que les deux on va avoir besoin en premier, puis après ça, on va faire tout le chemin pour se rendre jusqu'en haut. Ah! Là, toi, c'est quel qui te bloque maintenant avec le dynamite? En fait, là, je peux monter partout. Même où est-ce qu'il y avait le dragon? T'as-tu peur? Fait que ma pickaxe, ça peut juste monter de 1, fait que je peux pas l'utiliser parce que ça me bloque. Attends un petit peu. Là, je suis en haut. Pickaxe. Ok. Là, je suis à Fastwood avec le diamant, puis je suis sur le top de l'ascenseur, mais je peux rien faire d'autre. Avec un diamant? La Fastwood qui mange un diamant. Ben, une L'espèce de dragon? Ouais. Il faudrait que tu montes ou tu descends? Euh...
Ah, non, c'est l'autre direction. Là, attends deux secondes. Je suis au max, mais je comprends pas. Quand tu me dis. Je suis comme pas égal à la bonne place pour sortir. Ça se peut qu'il faut que tu sautes, oui. Go! Je sais pas c'est quoi ton goal. Autre direction. Juste go, ça me dit rien. Alright, je suis en haut. Là, tu peux-tu rentrer à l'intérieur maintenant? Ouais. Parce que je pense que moi, il faudrait que j'embarque par-dessus aussi. Il faudrait que tu me le descendes d'une coche. Tu qu'il est en quelque chose? J'ai pas été sûr de quoi voir si ça allait faire quelque chose avec l'ascenseur, mais non. En fait, je pense même pas que je peux embarquer dedans l'ascenseur, à part peut-être si tu le montes jusqu'en haut. First of all, I see you, puis c'est dans l'autre direction. Ah, ben, je vais être correct de toute façon, pas assez, finalement. Ah. Ok, t'as comme une manivelle, moi aussi j'en ai une. Fait que d'après moi, faut ouvrir les deux, puis on va rentrer chacune dans, à l'intérieur de la mine. Ah, très bien. Yep. Peut-être pas, finalement. Est-ce que tu le hold? J'ai pas tenu assez longtemps, apparemment. Adieu, ce qu'elle dit. Alors, on est là, encore. Adieu, parce que je pense pas qu'on peut remonter par là. M'as-tu vu? Nope. Je suis juste derrière toi. Wow, bonjour. On a trouvé un site de campement dans une vieille mine de reliques. Ça a l'air fun, ça. Help. T'as vu le mot help, ok, pas? Non, c'est moi qui dis ça. Ok. Tu fais quelque chose? Ok, c'est fermé là. Ouais. Fait que levier rouge pour porte rouge, j'imagine qu'il va y avoir un levier bleu pour la porte bleue. Probablement. Il y a une porte rouge ici, mais il va falloir comme la fermer probablement pour l'ouvrir elle, ouais. J'ai une bleue puis une jaune. T'as les leviers pas? Non, j'ai juste les portes. C'est comme un labyrinthe, bref. Tu peux pas aller plus loin que ça. J'ai entendu quelque chose bouger en arrière de moi, mais je sais pas si c'est dans le stream ou pour moi. J'espère que t'as rien derrière toi. Moi aussi. Hello? Hello. J'ai un levier, mais je peux rien faire avec. Essaye de voir si tu peux le bouger maintenant.
Nope. Je pense que ça se sent ça. Oh, parce que sinon... Ouais. Oui, tu peux. Je pense qu'il fait juste reculer, non? Il va juste dans un sens, ouais. Peux-tu réussir à te rendre où est-ce que la manivelle bleue? Non, parce que j'arrive pas à passer dedans. Tu l'as pas fait bouger? Je clique sur les flèches, puis ça fait juste comme cogner sur le truc de bois à côté de moi. Ok. Ça veut dire que ça serait juste par la porte jaune que tu pourrais passer, toi? Ben, la porte bleue, elle s'est fermée, fait que je peux pas aller à la porte jaune. Parce que je peux pas me rendre au jaune, d'ici. Je clique sur le bleu, je pense. Ok. Ok, quoi? J'ai pu passer la bleue. Après ça, j'ai la jaune. T'as-tu quelque chose à peser, tout ton bas? J'ai juste le levier rouge. Ça dit quand même que c'est une rouge qui serait ici. Ça ne servirait à rien de la bloquer. Mettons, pèse sur la rouge. Il est temps ici. Il est temps de mon bord, genre. De l'autre bord, il va. Comme si tu prends lui-ci, il va avoir le levier bleu. Ouais. Passe-le une fois. Le rouge me bloque ici, mais. Il y a assez de place pour qu'on passe par-dessus, what the hell? Ouais, c'est ça. Là aussi, ça. Ah non, ça marche pas de même, je pense. À moins que toi tu vois comment aller, là. Genre, je vais aller repasser sur la bleue. Puis pèse encore un fois de sa bleue.
Tu vas voir si tu comprends quoi faire dans le coin là-bas. Commencer, je vois juste un trou de neige vide. Il y en a un qui c'est un cul-de-sac, fait que c'est probablement ça que t'as été pogné, ouais. Parce qu'elle dit aller direct dans le cul-de-sac. C'est un talent, ok? Tu peux-tu ouvrir une bleue? Non, parce que je suis coincée avec les rouges. Je suis coincée avec une rouge puis une bleue, en fait. J'ai touché à la rouge. Va retoucher à la rouge? Ce sera pas long, désolé. Prends ton temps. Est-ce que tu peux toucher à la rouge puis après ça la bleue? C'est ce que j'étais justement en train de me dire que, qu'il pourrait peut-être se passer. I'm trapped. Not anymore! Hi. Tu peux-tu t'en venir d'une coche ici? En même temps, on peut y aller? Je pense pas qu'on peut y aller en même temps. C'est comme la personne qui est ici, c'est la jaune qui voudrait qu'elle aille pour passer. Mais j'ai même pas vu la jaune à date. Moi, je l'ai vu, mais je sais pas comment me rendre. Tu peux-tu aller peser sur la rouge? On va avoir besoin de la bleue pour ça. C'est vrai, tu peux le faire toi-même. Tu m'as comme poussé en même temps. Sorry! Ah ben, c'est bloqué pour aller dans le chemin où est-ce qu'est la jaune. À cause du bleu ou du rouge? Je pense à cause de ce qu'on a fait. Non, ok. Parce que si tu vas en face de la jaune, je peux bouger le rouge puis la bleue si tu... Mais comme je dis, je sais pas comment me rendre. Thank you.
passe par là. Attends, non, c'est censé être un cul-de-sac, ça. C'est ça. Tu peux-tu aller y retoucher à la bleue? I am stuck. Es-tu encore stuck? Je peux toucher à la rouge, là. Ben, c'est la bleue que je voulais. Ouais, 2 secondes, je me rends. Je suis le plus en moi. Sa jaune est vers là-bas. On peut pas se rendre ici. Genre en arrière de la bleue là, tu vois une craque que tu vois la valve jaune, genre, mais c'est pas comme un marron. Je touche à la bleue. Je vais t'avoir ouvert le rouge, tu vas voir ça. Ok, je la vois, mais la porte elle bouge pas, fait qu'il faut arriver genre de l'autre direction? Weirdly, mais je comprends pas plus comment est-ce que ça marcherait. Peux-tu ouvrir la bleue? Pourquoi je l'ai pas faite? Bonne question. Je savais pas que t'étais juste là. Puis là, la rouge, puis après ça, la bleue? Attends, je vais aller refaire la bleue. J'ai oublié. Finalement, juste la rouge. Fallait que je baisse le bleu pour aller à la rouge. Ouais, non, je sais, mais c'est parce que la bleue a descendu la porte que je voulais après. Effectivement. Ok, puis là, j'ai été dans le tourniquet que je pouvais pas tourner pour voir la jambe, puis je l'ai tourné une fois. Ouais, puis t'es revenu sur tes pas. Ouais. Il nous manque juste la jambe! Pourquoi on peut pas lancer une boule de neige dessus? Je vais aller faire la rouge, puis toi, va checker ça en fait, comme ça tu vas peut-être avoir une autre opinion. Parce qu'elle peut juste bouger d'une coche à la... où est-ce que la jambe? Yep. Peux-tu bouger la rouge? Peux-tu bouger la bleue? Je suis sortie, désolée. Okay.
Non, ça aurait fallu que ce soit toi là, pour que moi je sois coincée dans le bleu, mais. Ouais, retouche la rouge. As-tu touché? Ouais, ben c'est. Là, t'étais coincé avec la bleue, t'es correct? Là, je suis plus coincé. Ok, bon, toi, viens t'en toucher, toi, la bleue. Reste à la bleue. Ok, retouche à la bleue. Retouche à la rouge. Il va falloir que tu reviennes toucher à la bleue. J'arrive, ça sera pas long. Fait que là, les potes ici, c'est quelqu'un qui a ça ouvert? La bleue puis la rouge. Ok, fait que. Toi, t'as la jaune qui est ouverte? Ouais. T'en as-tu une qui te bloque? La bleue. Ok, touche à ta rouge. Yay! Touche à la rouge encore? Oups. Yo! Yay! Wow. Isolated! Oh my god! C'est pour ça mon wow! C'est un jeu de mots que ça faisait. Un flare gun? Mm-hmm. Fait qu'on a trouvé un flare gun en face de l'ancienne structure. On va l'utiliser. On va s'en regarder, on va s'arrêter d'être correct les fois. La dernière fois qu'on avait joué à l'autre, c'était pas mal funky. Faudrait-tu mettre le signe qu'on a vu là-bas? Le mettre où? Bonne question. Oh, ils apparaissent un à l'autre, je pense. J'ai une espèce d'étoile, puis après ça, j'ai une espèce de soleil. Je peux bouger un soleil, puis je l'ai bougé une fois, puis là, je peux bouger l'étoile. C'est juste ça que tu peux bouger? Clique oui. Dessus. Qu'est-ce que ça fait comme changement?
Je sais vraiment pas où est-ce qu'il voudrait les emmener. On n'a pas comme aucun indice qui nous dit ce serait où la base, le premier. For real. Quoi? Tu m'as tué. J'ai rien fait! T'arrêtes de piler sur la face du soleil pis a disparu dans son épier. J'ai même pas pi... J'ai pesé sur rien! J'ai rien fait! Je l'ai juste regardé! J'ai regardé trop fort après même. Il est pas placé comme qu'il était tantôt. Il a bougé tout seul! Que ça a changé, puis c'est juste qu'on était personne là qu'on l'a pas vu. L'autre, c'est Moon après. Ah, ça, t'as une qui vient pas? J'ai marché sur le soleil, puis pour ça, j'ai eu la Moon qui est apparue. Ok, puis t'as-tu quelque chose d'autre après? Je suis tombée. Attends, tu peux. C'est Moon, attends, tu peux. J'ai tombé. Fait que je sais pas si faudrait que tu colles Moon sur ça. Ben c'est ce que j'ai fait, mais tu m'as pas laissé le temps de le faire l'autre coup. Tell me one. Là, je l'ai fait. Saturne? Ok. C'est juste des étoiles, puis le deuxième a fini, a disparu, puis je peux monter en haut des marches. J'aurais comme une étoile filante, sinon c'est comme le Twirly. C'est sûr que moi je pourrais pas passer aussi. Pourquoi t'es pas monté en haut des marches? Parce que il était pas locké, je pouvais pas y aller. Il allait tomber automatique. Le tourlé? Mais pourtant, c'était déjà ce tour-là que j'avais. Je l'ai peut-être pas vu. Attends, désolé. Il décide de se détacher des fois puis se rattacher, c'est weird. Peut-être qu'il reset. Donc c'est que c'est pas des bons. C'est sûrement l'autre que tu m'as dit. Étoile, soleil, moon, Saturne, plein d'étoiles, puis le Twirly. Twirly, puis après ça... Twirly, j'ai rien après. Puis il faudrait que t'avances encore?
Ouais. Ok, fait qu'il faut essayer d'arranger pour que. Appelle pas, pile pas dessus cette fois-ci. Hein. Fait qu'on peut pas bouger l'étoile en fait. Est-ce que je pense pas que ça marche en fait ça de même? J'ai oublié qu'il faut que je reclique tout le temps dessus. Essaye voir là. Mais je pense pas parce que c'était pour moi que ça soit relié là. Ben pour commencer, le premier marche pas. L'étoile? L'étoile est là, mais la lune part pas. La lune part pas? J'ai pas de deuxième truc qui apparaît. Ah! Oh, le sun, excusez. J'avais bougé parce que tu disais que ça marchait pas, fait que là, ça a encore foiré. Est-ce que là, j'avance? Non. C'est ça, Saturne après quand même. Je prends vraiment un tout de force pour aller. Ok, c'est bon. Le son, il marche pas? C'est-tu comme tantôt que tu disais qu'il marche pas, puis aussitôt que je clique dessus, ça va marcher? Ah, là, ça vient de fonctionner. Le Twirly puis la Star, ils sont pas attachés. Ça veut dire que la Star serait pas bonne. Fais-moi retomber, c'est pas grave. Oui! Ça veut dire que ça serait lui en dernier. Je serais ça en main.
Ça va être ce que ça, je m'en sais. C'était pas moins pire que ce que je pense. C'est la lune après. On va la mettre ici. On va même l'attention un peu plus de la place pour cette zoom, puis la lune étoile. Ok, essaye de même maintenant. À moins que ce soit en mettant le soleil ici, vu que ça n'a pas l'air d'avoir l'importance qui soit reliée avec l'étoile. Après, c'est la lune. J'ai un côté qui fonctionne. Un côté. Ouais, j'ai lui avec le Twirly qui fonctionne. Lui, avec la star, les crochets sont pas accrochés. L'étoile filante, genre? Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Faut que j'essaie de trouver une façon de tout le relier, c'est pour ça. Tu sais que c'est drôle, je suis encore au milieu du pont. T'es entre le Twirly puis les plats d'étoiles? Je suis sur le Twirly, en fait. Je sais pas comment est-ce que je vois ça. C'est comme le Twirly puis l'étoile, c'est comme deux stairs qui se séparent. Je pense que techniquement, ce serait l'étoile qu'il faudrait pas se fier parce que le Twirly... Ben, ça dépend c'est quoi l'après qu'il y a, là, mais... C'est l'étoile qui est en face des stairs de fin. Puis le Twirly, ben, il n'y a rien en face, à part la neige. Tu peux-tu retourner en arrière à la première étoile? Genre la première... Ok, ouais, deux secondes. Faut que je tombe avant. Pas faut que tu tombes. Finalement, peut-être pas. Ok! Parce que... Ça, au début, avait disparu, fait que je pense... Ouais, je les ai remis. Ok, puis là, tu veux que j'aille jusqu'à où? Retourne comme à la plateforme solide, là. Ça t'appelle ça solide? T'as rien vu. Juste que là, je suis obligée de tout refaire. Quoi? Pourquoi tu restes pas les deux pieds sur terre comme je t'ai demandé de faire? Apparemment, j'ai pas compris assez rapidement, puis je pensais que tu m'as dit continuer. Fait que je vais attendre, puis dis-moi quand. Ça va-tu être correct? Parce qu'il touche quand même un peu. Je
qu'il soit le premier à rentrer dans le tour là. Ok, essaye voir. À date, l'étoile n'a pas fonctionné. Après le Twirly, c'est absolument une étoile? Non, non, le Twirly, il n'y a rien en face. L'étoile est à côté du Twirly. Ah, l'étoile est à côté du Twirly. Je ne peux pas aller voir ça. Ici, c'est le Twirly. Je suis contente que tu m'aies pas entendu crier. Ouais. Je comprends pas c'est quoi qu'elle parle. Faut que je serai jamais à l'arranger parce que. Je sais pas si techniquement ce serait que l'étoile est après le tourné, puis que c'est juste. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché le premier coup. Ça veut dire que ce serait ça le coup d'action dernier. Je me suis vraiment pas bien pris. Ok, essaye voir là. Trying. T'as-tu peur? Nope. Nope, quoi? Ok, après les trois étoiles, il faudrait que ce soit comme un
l'étoile filante, puis après c'est quelque chose d'autre? Fait que le Twirly, il était pas locké depuis tout ce temps-là. Le Twirly était locké, mais il y avait rien après. Il lock juste s'il était à bonne position d'habitude. Fait que le Twirly... De ce qu'on a vu à date. Regarde, le Twirly puis l'étoile filante, là, c'est comme la même pièce qui sort avec deux escaliers qui s'en vont dans des directions, genre, comme si ça fait un V. Les deux font ça? Ben, le Twirly puis le... Pis, regarde, t'as comme un... les trois étoiles, puis qu'après ça, quand elle monte, c'est comme un gros niveau qui monte avec deux escaliers qui montent, une à gauche, une à droite. À gauche, t'as le Twirly, puis à droite, t'as l'étoile filante. Fait que là, si le Twirly et l'étoile filante sont ensemble, ça veut dire que ce serait Twirly qui voudrait qu'il y ait là. Puis le Twirly va là, je sais dans quelle heure qu'il faut mettre les affaires. D'abord, parce que ça veut dire que toutes les autres affaires qu'elle a dit, c'était pas à bonne position. J'ai cliqué, mon Dieu. C'est glacé, voir le soleil, qu'est-ce que ça monte de près? Morte. 10 en embarquant sur le soleil? Une lune. C'est sûr que là, ça va te montrer quelque chose d'autre, là, parce que c'est pas l'affaire que j'avais placée tantôt. Est-ce que t'as continué après le soleil avant même avoir entendu quelque chose pendre? Regarde, faut que je marche dessus pour que le truc il monte. Ouais, fait que moi, je t'arrête de demander si c'est le soleil direct que t'as tombé ou après? Le soleil. Wow. Et pourquoi ça n'a pas marché, le soleil, ce coup-là? C'est d'habitude, il marche, là. Là, le soleil vient de partir. On va essayer un montreur pour la fin parce que. Ah, moi, ça marche pas. Puis il réapparaît pas pantoute?
faut que j'embarque sur l'étoile. Fait que faut que je les place au fur et à mesure avec elle dessus, genre. Mais ça, ça marchait pas. Ça. Compliqué cette puzzle-là, c'est ça. Est-ce que je peux aller rechercher la lune après? Je vais faire bouger quelque chose qui est dessus, c'est sûr. C'est que c'était pas les bonnes choses là. J'ai-tu refait la même affaire? Je pense que oui. J'ai bougé plein d'affaires pour rien faire en bout de ligne. Non, mais ça me semble que c'était le tour que j'avais fait après l'étoile flotte. Il veut pas tout à marcher. C'est weird. Fait que ça, ce serait pas le bon encore. Ça manquerait encore deux de fuck. Je comprends pas celui-là. Villager noise. Ouais, c'est ça. Parce que l'image que ça montre après, comme le signe que j'ai, ce serait la lune, mais c'est comme... Je peux pas aller chercher la lune sans te faire tomber. Il en manquerait deux, genre, après. Ben, techniquement, j'imagine on pourrait essayer tant que tu bouges pas, lui qui a trois étoiles dessus.
Ben, c'est ça, ce serait impossible. De bord, attends, après lui qui avait 3 étoiles, c'était l'étoile filante, puis après ça, c'était quoi, la lune ou c'était autre chose? Les 3 étoiles, l'étoile filante, les 2 lunes. Puis après ça, c'est là que ça me remonte la demi-lune. Bon, ben, je sais pas si tu pourrais ne pas bouger les 2 lunes. On pourrait essayer. Est-ce que j'y vais là? Ouais. The fuck? Moi, j'ai passé 2 fois dessus puis ça a marché comme il faut. Je réessaye? Non, parce que là, faut que je replace tout en place. Ça va être long. Alright. J'ai passé genre 2-3 fois dessus pis ça a jamais muffé. Je comprends pas pourquoi tenu un coup ça muffe. Je te place autrement, hein, je... Ça va se placer si l'espace pour toutes les mettre, donc, si je les place là. Ok, vas-y. Ça y est! Shooting star. Je suis sur les 2 lunes. Puis ça te montre la demi-lune encore après? Yep.
Ouch, my ankle. Je comprends vraiment pas. C'est vraiment qu'il faut que je parte le soleil d'ailleurs. Mais de où est-ce que je peux partir? C'est le deuxième. Fait que de où est-ce que je peux partir que la demi-lune irait pogner deux affaires? Juste, ça serait là ou là. Regardons, voir si ça marche des trucs de même. Regardons si ça marche des trucs de même, j'ai oublié de faire ça sur le temps. That's good. Vas-y tranquillement, là, puis sois sûr que ça soit locké avant d'embarquer. C'est pas mal tout le temps ce que je fais, mais. Les deux lunes sont pas loquées. Je suis présentement sur l'étoile filante. Fait que techniquement, ça veut dire que c'est plus le soleil qui commence n'importe quoi. Mais peu importe. Je comprends pas comment est-ce qu'on pourrait emmener la lune. Quasiment l'emmener là, mais. Vraiment, c'est tout que j'enlève ça, là, donc, oui. Quasiment eu le temps. First of all, rip my ankle, puis second of all, il est 7h07, je pense. On est mercredi, fait que. Puis 7h07, je m'en fous. Je me suis trompée, ok?
Il faut que je change que ce soit genre deux coups. J'avais besoin de remettre la lune à leur place. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir le temps de deux coups, genre avant que ça tombe complètement? J'essaie d'emmener le soleil ailleurs, sans part d'une autre place. Espèce de toutes les voies de... Attends, on n'a pas trouvé de bord où mettre à part... à l'intersection avec la toile volante. Mais si la toile là, je risque pas à la bouger assez vite. Je suis vraiment contente, vaguement contente que la neige se transmette pas en real life parce que holy fuck, je serais gelée du bout de mes toes jusqu'au bout de mes cheveux. Désolée, là, je comprends vraiment pas comment le faire. Puis c'était pas une critique du tout, je trouvais ça juste drôle qu'une chance que c'est pas la vraie vie. Je te sens que je te blesse. C'est donc où? Ça y est! C'est peu importe où est-ce qu'il y a le soleil, c'est lui qui commence le bal. Si t'as coulé les deux mondes loqués, ça marche bien? Là, je rentre ça. Je suis sur les deux moons, puis la lune est en avant. Puis à l'étoile filante, si t'essaies d'aller voir comme l'autre branche, c'est quoi ça, monte? Entre parenthèses, je sais pas si ça compte, mais la lune, la direction que ça, que c'est pointe et pointe, c'est en bas. Je m'excuse, j'étais trop occupée à dire ce que je suis en train de dire. J'ai pas pensé à regarder aussi si c'était loqué ou pas. As-tu vu combien de temps que ça me prend, les places en place? Je m'excuse tellement!
Oh, man. Là, c'est toi qui vas venir te réchauffer dans la pièce puis qui va venir les placer. Yep. Sure, if you want to die. Fait que peu importe où est-ce que l'essai est, c'est tout le temps lui qui commence. Il est pas besoin d'être à côté de l'étoile, genre. Fait que c'est soleil, demi-lune, Saturne, trois étoiles, étoile filante. C'est de trouver un moyen que la lune, la demi-lune, on peut la bouger facilement. C'est Saturne en premier, puis à... ou étoile filante. Soleil, demi-lune, Saturne, trois étoiles, étoile filante, deux lunes. Ça marchera pas, mais essaye. J'ai un chat dans mes bras. Désolé, j'avais une mitaine dans les bras. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le soleil, même s'il était lucky, apparemment, il l'était pas. Yay! Je suis sûr qu'on se complique tellement la tête en plus. Et c'est super simple, finalement. Je suis sûr qu'on se complique trop la tête, puis c'est super simple, en fait. Tellement.
Alright, prise 2. Mais le soleil touche même pas la demi-lune. Comment est-ce que tu veux que ça marche? Faut qu'ils soient interreliés par une barre. Tu vas voir quand que va commencer à marcher, là, quand que tu vas les avoir placés comme il faut, qu'est-ce que je veux dire? Ça a-tu l'air plus logique, ça? Ben, techniquement, c'est Saturne après la Lune, mais j'imagine que je vais essayer quand même. Au pire, t'es pas obligé de mourir, t'as juste à me dire si ça l'a coupé. Ça dépend si ça me tue par surprise. Fait que c'est ça, Saturne ne l'a pas. Mais là, tu vois la bande orange? Ouais, ok. En fait, ça tente-tu de mourir pour repartir ça? Wow. Meurs parce que je suis trop lazy. Tellement. En plus, il me semble que le truc qui est à côté, tu peux repeser. Je suis pas mal sûre que tu peux repeser dessus pour rester noué. Fait que tu comprends pourquoi je comprends rien? Le sun, il faut qu'il soit absolument genre un carré après ou peut être n'importe où? Il peut être n'importe où. Moi, là, les dernières fois que j'essayais, là, le sun il était où est-ce que le Twirly est. Alright. Tant que c'est le premier, puis tant qu'il est suivi par la demi-lune, puis la demi-lune par Saturne, puis blablabla. Ça hein, pas mal en gazant tantôt de la laisser faire ça, mais en même temps des fois c'est comme des yeux frais dessus le puzzle. Fait que peut-être que elle va trouver une façon de placer ses affaires que moi je restais pas à voir puis que je restais stuckée sur mes façons à moi. Genre. Essaye! C'est Saturne après la Lune, la demi-lune. Oh! Tellement certain de ça, là. Of course. Je suis à la demi-lune après les deux lunes, puis ça lock pas. Ok.
ça... Est-ce que je pouvais bouger quelque chose en attendant? T'as le temps de peut-être... Ben, tu peux tout bouger sauf l'étoile filante puis les deux lunes. Une fois que tu bouges l'étoile filante, de ce que j'ai eu l'impression, c'est que t'as peut-être le temps de bouger comme une ou deux plaques avant de pouvoir comme en remettre une à côté. Est-ce que l'autre va traverser en plus? Je comprends pas. J'étais proche, fuck you game. De plus, parce que maintenant on va rester stické là pendant longtemps. Ça, j'avais fait tantôt. C'est quoi déjà l'ordre? Attends, soleil... Saturne, puis quoi après? Soleil, lune, Saturne, trois étoiles, l'étoile filante. Puis, on n'avait pas. T'avais-tu essayé d'aller sur la patte finalement avec le Twirly? Ou. T'étais tombé avant ou. Je montais sur le Twirly puis il n'y avait rien après. Mais le Twirly était-tu locké? Il me semble que oui. Mais il n'y avait rien après. Parce que je sais pas si on est en train de se prendre avec le mauvais chemin. Genre, comme on a tendance à vouloir essayer avec l'étoile filante parce que c'est lui qui a l'air d'être comme. Direct en face des marches, mais si on essaierait d'aller du bord du Twirly à la place, genre comme c'est quoi que ça montrerait après, mais tout de suite ça montrait rien. J'ai encore inversé cette sonde pour les trois étoiles en passant. Ouais, non, je me trompe tout le temps. Si c'est cette sonde. La planète avec l'anneau, là. Tu me diras quand ça va être correct que je sais. Apparemment, faut que je te fasse parler encore. Fait que, c'est quoi déjà l'ordre? Soleil, Saturne ou Soleil, Étoile? Aucune de ces réponses. Soleil, Lune?
Soleil, demi-lune, Saturne, trois étoiles, étoile filante, deux lunes. Deux lunes ou twirly, dépendamment si ça serait le cas. Essaye. Même cas que tantôt. Attends un peu. Là, t'es sûr? Je suis sur les deux lunes présentement. Ça veut dire que les deux lunes, il faudrait que je me bouge à une autre place tout court. Si tu les bouges pendant que je suis dessus, ça va tomber. Ouais, non, je parle avant que quelqu'un embarque dessus, à une place plus facile pour genre tourner la lune dessus. Peut-être. Ou on essaie avec le twirly voir si ça montrerait pas après les deux lunes, puis. La lune, whatever. Attends deux secondes, je peux peut-être essayer d'approcher le twirly. Essaye. Donc je reviens aux trois étoiles? Ouais. Ça monte-tu quelque chose? Il est locké, mais ça monte pas rien, non? Je comprends pas. Il est plus locké. Les deux sont locké maintenant? Ok, weird. Je suis sur le 3 étoiles là, présentement, hein? Ouais, j'essaie de... Parce que là, je peux juste bouger le twirly. Je sais pas s'il faut que je te fasse bouger deux fois, genre que tu vas sur l'étoile filante. Ben, il est pas locké présentement l'étoile filante. Fait que je vais dessus, là. Y es-tu locké? Il est locké, oui. Ok, va dessus. Là, il y a les deux lunes qui apparaissent et qui se loguent.
Man, c'est confusing, c'était pas dans le... Vraiment, oui. Tu me comprends-tu maintenant? Of course. Science. Ça fait peur. Adieu. T'as essayé de bouger lui que j'ai dessus? Maybe. Même si je t'ai dit plein de fois que tu pouvais pas faire ça? Maybe. Le pire là-dedans qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on n'est pas vraiment beaucoup avancé dans le jeu en plus. Fait que c'est vraiment pas un des plus difficiles puzzles. Help! T'as-tu dit quelque chose avant de dire help? Non. Ok, parce que la lumière s'est allumée, mais j'entendais rien. Parce que, à moins que le son, vu que ça commence par lui, on le fout dans de là où est-ce que le twirly. Puis qu'on commence à partir de là pour qu'on puisse trouver une façon plus facile de bouger la lune pour l'emmener proche des planètes, là. Ouais, ben c'est sûr que j'avais essayé de faire les deux dernières fois, moi, mais bon. C'était pas assez rapide quand même. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas eu besoin de toucher au twirly aucune fois à date, genre. Non? Non, je m'excuse, j'ai oublié de peser sur le truc. Ouais, en effet, c'est vraiment weird. Normalement, genre, la plupart des affaires... Tu l'utilises?
En fait, les 3 étoiles et 4 de mes broches. Attends, on va mettre ça en main. Je pense pas que le twirl va pas se montrer quelque chose. D'un bord ou de l'autre. Pourtant, tantôt, quand elle gossait les affaires, elle a bloqué des deux bords. C'est weird parce que l'étoile filante était à côté des double moons. Ouais, puis elle était à côté du 3 étoiles aussi. Je sais pas pourquoi elle était pas bloquée. C'est comme. Est-ce que tu veux aller chercher la lune pour qu'elle touche à rien là? Mettons qu'on met. Les 3 étoiles ici. Pour la toile et nous, pour mettre quelque chose d'autre après. Ah, le catu, and I believe in you! Est-ce peut-être que les deux, faut qu'ils soient lockés pour qu'on aille quelque chose d'autre qui apparaît après? Ça serait mieux, parce que non, on a déjà quelque chose qui apparaît après l'étoile filante. Encore là, l'étoile filante, elle bloque pas. Mais l'étoile est mieux. Non, là, les deux sont bloqués, c'est même ça. Mais qu'on peut pas rien faire avec. Mettre une autre patte pour te confuse, ok, je pourrais comprendre, mais juste qu'il finit direct de même là, je pense. Ou le fait qu'il servait à rien me faisait penser. Ça m'étonnerait que dans ce jeu-là, il y ait des ponts invisibles. Ça m'étonnerait aussi. Le fait qu'on pouvait pas le mettre non plus nulle part me faisait penser que peut-être que. Il pouvait comme être une espèce de téléport, tu vois, pour comme t'emmener dans la lune, justement, mais...
si on met le twirly à côté de l'étoile, il est censé d'être le premier. Je sais pas si ça va être du bon bord, mais... Est-ce que peut-être le chemin de l'étoile filante nous amène à rien, là? Ah ouais, le soleil apparaît. Elle est où? Je sais pas pourquoi t'es aussi méfiante du deuxième carré. Je sais pas, hein. Je serais un homme de même, hein. Noob. Attends, reste là deux secondes. Sur le Twirly ou sur les trois étoiles? Twirly. Ok, je suis dessus. Ah ouais, peut-être que ça aurait été pile dessus, ouais. Allô? Monte! Si je suis dessus présentement, je pense pas qu'il va apparaître pour toi. Je sais pas s'il faudrait qu'on monte les deux en même temps. Puis qu'on aille chacun sur une image. Ben, les deux sont pas reliés, clairement. Mais ça pourrait être une option, hein. J'avais arrangé pour que le Twirly touche l'étoile principale, pas que les trois étoiles touchent aux deux. Ok. Parce que, tu sais, s'il faut changer l'affaire avec la lune aussi, c'est comment est-ce que l'autre personne va faire pour s'en mêler? C'est ce que je comprends pas. Ben, ça m'étonnerait pas qu'il faudrait que tu bouges quelque chose en tant que la personne est dessus. Mais genre, what the fuck, moi qu'on place le reste. Ça serait censé toucher les deux, là. Est-ce qu'on regarde le début d'une soluce pour nous donner un truc ou on abandonne là pour l'instant puis on en revient la prochaine fois? Imaginez quasiment 10 heures, on pourrait arrêter là puis peut-être qu'on va avoir des idées fraîches demain quand on va rejouer puis ça va mieux marcher. Yep, alright. Ou on décidera si on regarde pas une soluce pour comme commencer direct et l'avoir comme il faut demain. Ou ouais, qu'on regarde une soluce genre pas mal avant ou qu'on s'en souvienne juste vaguement puis qu'après ça, ben on essaye. Il y aura ça, ouais. On réfléchira là-dessus. Yep. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. On va revenir avec Assassin's Creed Black Flag en après-midi demain, techniquement, sauf si je m'en vais chez le dentiste. Pis ben, techniquement, soirée probablement avec plus de together en soirée. Et à partir de 8h, demain par exemple. We're here together today! Ouais, c'est ça. Et encore là, ça dépend si je vais chez le dentiste ou non, parce que je te rappelle, faut que je sais pas si quelqu'un va m'appeler. Fait que merci aux personnes qui sont venues. Thank you for coming. Et à la prochaine! See you next time!